Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver et je suis surtout ravi que les Black Keys ont sorti un nouveau titre que je vous propose de vous montrer aujourd'hui. Alors, chose exceptionnelle, je suis en accordage standard parce que je voudrais le faire en accordage standard. Par contre, demain, je vous fais une version en open tuning. Voilà, donc j'ai décidé de vous faire deux versions pour le même morceau. Allez, c'est parti, aujourd'hui, accordage standard, je zoome sur la guitare. Voilà, donc il y a quatre parties dans ce morceau, quatre parties différentes. La première, l'intro. La deuxième, ça va être la rythmique. Ensuite, on a un couplet et un petit bridge. Alors, je commence par vous montrer l'intro. C'est parti. Est basé sur la gamme pentatonique de la mineure. Donc les accords vont être en la, donc la tonalité du morceau est en la, les accords vont être en la et l'intro est la gamme pentatonique de la mineure. Donc je vous montre, ce qu'il y a c'est qu'on part juste sur la troisième case et pas sur la cinquième. Donc ça fait ce petit effet de rebond comme ça. Donc... Donc, on va être sur la corde de mi. On va partir 3, 5. Ensuite, on va passer sur la corde de la. 3, 5, 7. Ok, donc. Pour l'instant, c'est vraiment. On descend la gamme à partir de. Ok. Maintenant, on va descendre sur la corde de ré. Et on va encore faire 5 et 7. Donc 3, 5, 3, 5, 7, 5, 7. Et là, on va le faire plusieurs fois. Ok. Donc ça va être 5, 7, 5, 7, 5. Et on va aller chercher la corde d'en dessous sur la même case, sur la cinquième. En bendant légèrement. Et on va revenir sur la corde de ré, sur la septième case. Alors, la petite astuce, c'est voilà, de laisser son doigt, parce qu'on va faire deux fois la cinquième case. Voilà, on va avoir deux fois la cinquième case sur, la case, sur les cordes de ré et de sol. Donc, plutôt que bouger son doigt, on laisse... Ensuite, le couplet. Je vous le fais. Ok, donc je vous montre ça de plus près. Hop là. Voilà, donc on va vraiment être là maintenant sur la corde là. Et ensuite, la corde ré et l'accord de do. Donc. Ok, donc. Au niveau de la rythmique, on est vraiment sur des croches, mais toujours en l'air. Donc... Okay.
Voilà, ça c'est pour la rythmique qui tient principalement à chaque fois que c'est le couplet. Maintenant, et maintenant le refrain. Alors là, on est sur toujours la gamme pentatonique de la mineure. On va bender à partir de la septième case sur la corde de sol pour arriver sur la cinquième case. Donc 7, on bend jusqu'à 9. 7, 5. Et là, on va faire l'accord de sol pour monter sur l'accord de la. Ok ? Donc c'est une question et une réponse avec le riff qui est toujours au milieu. Question. Première fois. Deuxième fois. Donc c'est vraiment. Ok, et maintenant on fait le bridge, c'est parti. Alors, le petit bridge, on va faire la même chose, mais à l'octave, maintenant, que le refrain. Je vais essayer de zoomer un peu mieux. Voilà, donc on va être sur la corde de si, sur la top 15e case, ok. Et là, on fait la même chose que ce qu'on faisait là. À part qu'on est à l'octave, donc 13, 15, 15, 13, 15. 13. Là, on va être sur la corde de sol. 14. 2 fois 14. 12. 14. Et le 13 de la corde de si. Ok. Donc à part que cette fois-ci, la réponse va être dans l'aigu. Donc je vous refais la partie A. La partie B. On va bender la 15e case de l'accord de mi. Alors là, le bend, il va aller faire 15. Donc on va bender de la 15e jusqu'à la 17e. Ok, donc on bend de 15 à 17, on revient sur 15, 17. Alors la petite technique pour le bend, n'essayez pas de bender à un doigt, c'est très compliqué. La technique c'est de mettre les trois doigts et de pousser avec vos trois doigts. Parce que vous avez beaucoup plus de force et vous pouvez garder beaucoup plus de justesse. Donc je refais la petite partie A. Voilà. Et après, pour la fin, la partie B, vous pouvez bender
sur la 15e. Ensuite, il retourne vers le riff de l'intro et ensuite il finit par le couplet. Alors voilà, dites-moi un peu ce que vous avez pensé de cette vidéo, de ce nouveau format. Voilà, je sais pas, je vais le monter maintenant, on va voir un peu ce que ça donne au montage. J'aimerais bien avoir plus de matos pour pouvoir faire des trucs un peu plus classouille profo. Mais voilà. Demain, je vous fais le même morceau en open tuning, donc de sol, mais que je vais mettre en la. Et je suis sûr que j'aurai plus facile, parce que c'est vraiment un morceau qui est fait pour l'open tuning. Enfin, même dans la rythmique, la façon de pouvoir jouer au pouce, les accords, les notes vont pas changer beaucoup pendant le bridge. Donc je suis persuadé que, j'ai pas encore essayé, je vous le cache pas, je vais faire ça demain. Mais je suis persuadé qu'en open tuning, ce morceau, ça va claquer. En plus, Dan Auerbach est un grand fan de l'open tuning. Il a commencé par le blues, il adore tout ce qui est Burnside, Kimbrough, Mississippi Hill, Country Blues. Il n'est pas arrivé chez Fat Possum par hasard. Donc, je ne sais pas comment il a joué, je ne sais pas comment il a fait. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il, que ce jeu et ce riff est arrivé aussi parce que, consciemment ou inconsciemment, il a ce open tuning en tête. Voilà. Donc, dites-moi un peu ce que vous en avez pensé. Mettez-moi un gros pouce bleu si vous êtes arrivé au bout. Donnez-moi des commentaires pour vous dire si ce format vous plaît. Et puis on se retrouve demain pour l'open tuning. Et alors si vous avez envie, vous pouvez déjà commencer à essayer de le jouer en open tuning de sol. Mais bon, on va s'accorder en open tuning de la. Ce sera l'occasion de vous montrer l'open tuning de la. Et voilà, et puis demain vous aurez la réponse. Allez, ciao, merci beaucoup. Et puis à demain, gros pouce, abonnez-vous et tralala. Allez, ciao, bye.